Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous apprendre, je vais vous montrer comment créer des alertes Google. Ok, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous recommande de vous abonner pour ne rater aucune de nos notifications, puisque sur cette chaîne YouTube, nous partageons les astuces, les stratégies, les méthodes en ligne pour acquérir du trafic, que ce soit du trafic organique ou du trafic payant. Donc, cette chaîne Growth Business Croissance Rapide est dédiée à tout entrepreneur ou à toute personne qui décide de se lancer sur le web ou tout quiconque ait une activité mais ne sachant pas comment la développer. Donc, sur cette chaîne YouTube, nous partageons des astuces, nous partageons des méthodes. Donc, comment acquérir du trafic en ligne, comment développer son business. Et aujourd'hui, il est question pour nous de vous apprendre comment créer une alerte Google. Donc, dans cette vidéo, il est question de vous apprendre, de vous montrer comment créer des alertes Google. Donc, les alertes servent à quoi? Les alertes vous permettent de vous tenir informé des sujets précis, de faire de la veille en fait sur Internet concernant vos mots-clés, concernant votre niche, concernant votre domaine. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment créer une alerte Google afin de vous tenir informé de tout ce qui se passe sur votre marché sur Internet. Ok, donc premièrement, il suffit de vous rendre sur Google. Donc, vous allez taper google.fr ou google.com et tout autre, ça dépend de votre pays. Donc, ici vous allez taper Google, vous allez taper Google Alert. Ok, vous allez taper Google Alert, vous allez prendre le premier lien en fait. Ok, Google Alert, vous allez prendre le premier lien. Ok, à ce niveau vous devrez être connecté sur votre compte Google. Donc, présentement je suis connecté sur l'un de mes comptes et vous pouvez voir ici vous pouvez voir ici que j'ai une alerte Google qui a été créée. Donc, je l'avais créée il y a de cela très longtemps. En fait, le titre était simplement revenu passif. Si votre compte est encore nouvellement, vous n'avez encore créé aucune alerte Google, alors vous ne retrouverez rien ici au niveau des alertes. Ok, donc ici, première des choses, ce que vous avez à faire, c'est d'entrer ici votre mot-clé. Donc, ça peut être bon. Ça peut être, bon, peut-être chien. Donc, vous pouvez directement voir un aperçu là de tout ce qui se dit sur Internet concernant le mot-clé chien. Donc, chez Growth Business Croissance Rapide, notre but est d'aider les entrepreneurs à développer leur business en ligne. Donc, nous allons taper par exemple là, ok, développer son business en ligne. Ok. Donc, vous allez vous en rendre compte que nous avons déjà là un thème d'aperçu d'alerte. Donc, nous avons là la solution e-commerce pour diffuser son catalogue pour les produits. Bon, BDM, donc c'est lui qui a publié cela. Donc, ainsi de suite. Donc, si par exemple notre mot-clé n'est pas affiné, nous pouvons simplement dire bon, business en ligne. Ok. Donc, vous allez voir là tout ce qui concerne le business en ligne. Bon, premièrement, sur votre compte, par défaut, Google prendra l'adresse email de votre compte pour vous envoyer des alertes en fait. Et à noter, chaque jour, Google, donc dans son moteur de recherche, fera la recherche concernant le mot-clé que vous aurez spécifié ici. Et vous enverrez une notification par mail, donc concernant le sujet sur lequel vous aimeriez être informé. Ok, donc à noter, avant de cliquer sur créer une alerte, vous allez d'abord cliquer au niveau de options. Donc, si je masque les options, vous allez cliquer sur options. Et si vous allez voir fréquence, vous pouvez déterminer par exemple, bon, une fois par semaine, une fois par jour. Quand le cas est présent, donc quand le cas est présent, ceci, bon, ça peut, bon, vous spammer vraiment. Donc, s'il y a énormément de cas de business en ligne,
Aussi, les gens recherchent, par exemple, si dans chez Growth Business, comme nous parlons du trafic, l'acquisition du trafic, si nombreux recherchent aussi, il y a des sujets sur lesquels les gens ont eu à publier des articles concernant le trafic en ligne, l'acquisition du trafic, des leads, de la prospection. Alors, cela risquerait vraiment de nous spammer. Et les deux options, bon, de préférence, nous préférons de prendre une fois par jour maximum. OK, la source. Vous pouvez spécifier, donc ici, si ça serait des articles de blog ou ça viendrait des sites d'actualité ou du web en général. Ici, bon, ça peut être des vidéos, à savoir YouTube et plein d'autres sites de vidéos. Ça peut être des livres, des discussions ou de la finance. OK, donc nous allons prendre ici web, donc pour spécifier. Nous, on veut que ça soit de l'actualité, du blog et tout, bon. Et si vraiment vous ne connaissez pas quoi choisir, je vous recommanderais de prendre automatique simplement. Vous laissez. Bon, la langue de préférence, nous sommes dans le français, donc nous allons prendre français. Si vous avez d'autres langues de préférence, bon, la région, vous allez préciser. Bon, le nombre de résultats, seulement les meilleurs résultats par défaut. Donc, vous pouvez préciser également tous les résultats. Donc, si tous les résultats, Google vous enverra un mail contenant donc tous les résultats qu'il aurait trouvés sur Internet en rapport avec votre mot-clé. Donc, ce n'est pas du tout évident. Ça peut vraiment, bon, à un niveau vous fatiguer. Donc, l'essentiel, c'est de vous concentrer sur c'est de vous concentrer sur ce qui est de plus important. Et bon. Et pour ce faire, nous allons prendre seulement les meilleurs résultats. OK. Bon, au niveau de l'adresse email, par défaut, Google prendra l'adresse email de votre compte Google. OK. Et ensuite, ce que vous aurez à faire maintenant ici, vous allez simplement cliquer sur créer une alerte. Donc, ici, j'ai créé une alerte de business en ligne. C'est aussi simple que cela. Donc, pour vous montrer, par exemple, au niveau de revenus passifs, les mails qui sont reçus. Si je pars sur OK sur ce compte Gmail, je vais un peu vous montrer. OK, le temps que ça cherche. OK, donc ici je vais rechercher Google Alert, bon, afin que Gmail me liste toutes les emails venant de Google Alert. OK, donc vous pouvez constater là, bon. Présentement, la nouvelle alerte qui vient d'être créée sur Business en ligne, vous pouvez constater qu'elle est déjà présente. Donc, il y a à peine 48 secondes. Et vous pouvez constater au niveau de revenus passifs, donc les mails ont été envoyés un mail chaque jour. Et si nous cliquons par exemple sur Business en ligne, OK, vous allez voir, bon, on a spécifié uniquement les meilleurs du web. Donc, vous pouvez vous en rendre compte que dans ça, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Donc, dans ça, Google a sélectionné 10 articles en ligne, donc concernant le business en ligne, et nous a notifié. Donc, là, OK. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, ici, ça sera à vous de cliquer, par exemple, et d'aller voir ce qui est dit sur le web et vous tenir informé concernant votre niche, concernant votre domaine. Donc, en résumé, Google Alert vous permet de faire de la veille. Donc, suivez la concurrence, suivez ce qui est dit nouvellement sur le marché. Et bon. La prochaine vidéo que nous allons sortir sur chaîne YouTube, nous allons vous expliquer comment utiliser ces alertes Google pour acquérir du trafic gratuit en ligne. OK, donc si vous hésitez encore de vous abonner à notre chaîne, donc nous vous prions, c'est le moment. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et n'oubliez pas également de lâcher un pouce bleu, ça nous ferait énormément plaisir. Et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas de nous les dire en commentaire, OK? C'était Michael Mika de la chaîne Growth Business Croissance Rapide. Nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.